Bonjour à tous, alors, je suis heureuse de vous retrouver du coup sur ma nouvelle chaîne, voilà, donc vaut mieux qu'on fasse chacune notre chaîne avec Myriam. Voilà, donc maintenant c'est les passions de Célestine, donc on va parler de beaucoup de choses sur cette chaîne, de coloriage évidemment, de boxe, ça je n'arrête pas, et peut-être aussi faire des vlogs avec l'évolution de ma fille Ambre, voilà, sans la voir hein, évidemment. Peut-être quand elle grandira, on verra, enfin comment ça évolue. Voilà, parler de cuisine aussi, j'aimerais bien, enfin voilà, essayer de faire un peu évoluer la chaîne. Donc voilà, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de box. Donc il s'agit de la Glossy Box, une édition limitée qui s'appelle Glam Up. Et avec le Black Friday, vous avez moins 50% sur la box, donc n'hésitez pas. Vous avez mon petit code parrainage comme d'habitude, vous avez moins 20% sur votre première box. Donc je sais pas si c'est cumulable avec le Black Friday ou pas. Donc j'ai hâte de vous la présenter. Donc Glossy Box est une box beauté, donc il n'y a pas forcément que des full size, mais il y en a quand même pas mal à l'intérieur, voilà. Donc moi j'aime beaucoup le packaging de la box édition limitée, je la trouve vraiment sympa, on a envie de voir l'intérieur en tout cas avec impatience. Donc comme d'habitude nous avons le petit fascicule qui est là avec tous les produits à l'intérieur et leur prix, donc je vous les lirai au fur et à mesure des produits que je pioche. Voilà, donc c'est parti. Donc tout d'abord on va commencer par le goodies qu'on a eu à l'intérieur. Il s'agit d'un magnifique chouchou en effet velours de la marque Pure Lay. Ils ont une collab avec eux et c'est vraiment une super marque d'élastiques, de chouchous, de barrettes, de tout ce que vous voulez et de bijoux aussi. Du coup, le chouchou, donc il l'appelle le Scrunchy Pink Rosa. Donc c'est d'une valeur de 5 euros. Voilà, la valeur de la box était de 25 si je me trompe pas. 20 euros pour les abonnés et 30 pour les non abonnés. Donc voilà, donc là j'ai pas besoin de vous lire la description, mais c'est un chouchou super joli. Moi j'aime beaucoup, même pour les fêtes et tout, il fait très habillé avec un beau petit chignon ou une belle queue de cheval haute. Voilà, donc j'aime beaucoup, je suis trop fan. Ensuite, prochain produit que je pioche, il s'agit de la marque Wonder Beauty. Donc je crois qu'on l'avait déjà eu, il me semble, ça me dit quelque chose la marque. Donc c'est un produit full size, c'est un mascara volume et longueur Mile High Club. Donc d'une valeur de 34 euros, la vache. Donc j'aime beaucoup le packaging doré, enfin ça fait très bas comme le thème, un glam up. Du coup très brillant. Ce mascara noir de jet Mile High Club définit et allonge les cils pour leur faire atteindre de nouveaux sommets. La formule spéciale de ce mascara nourrit et renforce les cils à chaque application. Pour l'utiliser, recouvrez chaque cil de mascara à l'aide de l'applicateur de la racine à la pointe. Bon, voilà. Donc j'ai hâte de vous faire le retour une fois que je l'aurai utilisé. Ensuite, prochain produit que je pioche, il s'agit de la marque Dr. Lip. Donc c'est un baume teinté Superfood Red Radish. Donc composé d'ingrédients 100% naturels, il offre une nuance corail douce qui ajoute une teinte rosée parfaite aux lèvres, aux joues ou aux pommettes, ou aux paupières. Pardon. Pour appliquer, tamponnez-le doucement sur la peau en augmentant la quantité selon l'intensité souhaitée. Donc c'est un produit full size, 8 ml d'une valeur de 7,50 euros. Voilà, donc on est largement remboursé rien qu'avec le mascara qui se trouve ici. Ensuite, prochain produit que je pioche, il s'agit d'un pinceau de la marque Luxy. Donc c'est pareil, ils ont une collab avec cette marque parce que du coup on le reçoit souvent même dans les calendriers de l'Avent. Hop, donc et dans les box aussi, enfin que ce soit édition limitée ou abonnement, on peut en recevoir. Donc Luxy pinceau fuselé Blending Eye Pro Tools Collection. Ce pinceau fuselé 702 a été spécialement conçu pour répartir uniformément le produit sur la paupière ou sur le pli de l'œil. Ces poils effilés permettent une application harmonieuse pour un regard parfait. Produit full size, 27 euros. Vous vous rendez compte? Enfin, rien que ça, du coup, voilà.
Donc le pinceau se présente comme ceci. Hop. Ah, j'aime beaucoup. On a un petit. Enfin, un espèce de petit creux là pour bien appliquer avec la main. On est bien à l'aise. Trop bien. Pour l'instant, je suis satisfaite de cette box. Ensuite, nous avons un Love Mask. Du coup, il s'agit. Petite Amie Skincare, la marque. Je ne connais pas. Masque pour le visage Love. Un produit full size, du coup, évidemment, d'une valeur de 7 euros. Le masque Love de Petite Amie Skincare est enrichi en antitoxines qui aide à améliorer la texture de la peau en réduisant l'apparence des ridules. Appliquez ce masque en tissu sur votre visage et laissez poser 10 minutes. Retirez-le et massez l'excédent de sérum pour profiter de tous ses bienfaits. Trop hâte de le tester. Ensuite, prochain produit que je pioche. Il s'agit de la marque Smudge of Proof et une bulle sharpener. Alors, c'est quoi? Je vais regarder à l'intérieur ce que c'est. Define Eyeliner. Je l'ai pas sur le produit. Attendez, je l'ouvre. Attends, je l'ai vu, Seattle London. Ah bah si, c'est bon, la marque Seattle London, du coup j'avais pas vu, pardon. C'est un, du coup un eyeliner, ouais un eyeliner rétractable Gold Definer, donc doré, trop bien, ça change, je suis trop contente qu'entre les eyeliners noirs et noirs, j'en ai ras-le-bol. Donc un produit full size d'une valeur de 21,15€, voilà donc à appliquer au-dessus de l'œil, voilà, faire un beau trait. Pour les fêtes, c'est trop bien un doré. Voilà, je suis trop contente. Et Seattle London, une super marque. Ensuite, prochain produit que je pioche, il s'agit d'une édition limitée de la marque IBC. Donc, London Botanicals Laboratories. Je ne connais pas un produit full size, un sérum Bright Me Up. Produit full size d'une valeur de 63,80€. Je suis choquée. Donc le sérum pour le visage Bright Me Up de London Botanicals Laboratories est enrichi d'extrait d'ananas. Oh, il doit sentir trop bon. Et contient une forte teneur en vitamine C. Ça, c'est parfait pour l'hiver. Et contient une forte... et ce qui en fait un produit idéal pour éclaircir la peau et lutter contre le vieillissement. Il peut être utilisé quotidiennement, matin et soir. Et s'applique avant la crème hydratante. Trop bien. Ensuite... La marque Wonder Beauty, bah c'est pour ça qu'en fin de compte je l'avais déjà vu parce qu'on avait déjà eu des masques pour les yeux, voilà, de cette marque là, d'une valeur de 4,35€, pardon. Donc ce sont des patchs à mettre ici pour les cernes, voilà, donc ça va me faire du bien, là vous voyez comment je suis cernée. Ces superbes masques dorés pour les yeux de Wonder Beauty hydratent, illuminent et réduisent visiblement l'apparence des cernes. Pour les appliquer, placez les masques sous les yeux et laissez poser pendant 10 à 15 minutes. Donc ça va être trop bien. Ensuite, prochain produit que je pioche, il s'agit de la marque Elika Beauty qu'on connaît. Enfin, en tout cas, moi je connais personnellement. Voilà, c'est une marque qu'on a souvent dans les box. Donc c'est un produit full size, c'est un illuminateur blanc. Donc un produit full size d'une valeur de 16,90€. L'illuminateur White d'Elika Beauty est composé d'huile essentielle d'hibiscus, ce qui rend la peau doux et soyeux. Il peut être utilisé comme highlighter et appliqué sur les pommettes ou l'arc de Cupidon pour les mettre en valeur, ou mélangé au fond de teint pour vous offrir un look rosé. Voilà. Et alors il reste deux produits, donc... Un produit de la marque Merci Andy. Donc je trouve qu'ils ont vraiment augmenté leur gamme de produits Merci Andy. Donc c'est top. Donc c'est une crème pour les mains à la cerise. C'est trop original la cerise. Un produit full size évidemment d'une valeur de 5€. Donc du coup nous avons que des produits full size dans cette box. C'est trop bien pour une valeur de 30€ si je ne me trompe pas. Et 20€ pour les abonnés ou 25. La crème pour les mains parfumée à la cerise de Merci Andy est formulée à base d'huile d'amande et de beurre de karité, donc hyper bon pour la peau. Ce qui la rend ultra hydratante et parfaite adaptée à tous les types de peau. Pour l'appliquer, déposez une petite quantité de crème sur la paume des mains et frottez-les jusqu'à ce qu'elle soit complètement imprégnée. Donc trop bien. Et enfin, dernier produit de la marque Babor.
C'est une super marque de produits de maquillage. Et c'est ça qui m'intriguait le plus dans cette box. Donc un produit Fluidal d'une valeur de 24,90€. C'est une ombre à paupières Velvet Stripped. Donc ça, j'étais vraiment intriguée par l'effet et tout que ça peut faire sur le teint. Donc voilà la couleur qu'on a. Ah mince, elle est protégée. Attendez. Voilà. Donc un marron. Trop trop beau. Du coup, avec le doré, ça va super bien. Donc j'ai vraiment hâte de l'appliquer sur mes yeux pour voir ce que ça fait. Voilà, donc avec le pinceau, ça va être top. Et voilà, la présentation de la box est terminée. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai adoré. N'hésitez pas à me faire un retour et n'oubliez pas, avec le Black Friday, c'est jusqu'à dimanche, je crois, vous avez moins 50% sur cette box. Elle est encore disponible, donc dépêchez-vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Laissez un petit pouce j'aime bleu, ça fait toujours plaisir. Voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous et puis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!